Le 26 février 1945, dans la petite ville allemande de Mengen, collaborateurs français et officiels allemands enterrent Jacques Doriot, fauché 4 jours plus tôt par des avions non identifiés. Prières, oraisons funèbres, poignées de terre de la mère patrie jetées dans la tombe, la tradition est au rendez-vous. Mais la peur aussi. Car les chefs de la collaboration présents ici n'ignorent pas qu'en même temps que le leader du PPF, ils enterrent aussi leur chimère et l'espoir de leur retour triomphal en France. Dans quelques semaines, le naufrage du grand rêve arien signera leur crépuscule et celui des milliers d'irréductibles qui les ont suivis dans leur délire collaborationniste jusque dans les profondeurs de l'Allemagne à Sigmaringen. Mais pour comprendre comment cette farce, qui avait des airs d'opérette viennoise, s'est achevée en drame wagnérien, il faut remonter quelques mois plus tôt. Nous sommes en août 1944, à Vichy, où Pétain, toujours chef du gouvernement, vit ses dernières heures sur le sol français. Le point de départ de l'aventure Sigmaringen, c'est évidemment la situation militaire et politique à la libération de la France. Alors si vous voulez, il y a deux événements majeurs qui vont conduire d'abord les Allemands à emmener un certain nombre de dignitaires français vers l'est de la France, et par ailleurs toute une partie des collaborateurs et de ce qu'on appelle les collaborationnistes à suivre les armées allemandes. Les premiers événements sont militaires. 6 juin 1944, débarquement de Normandie, 15 août de la même année, débarquement en Provence, les armées allemandes sont obligées de refluer vers l'Est. Et pour cela, ils voudront maintenir une sorte de fiction, d'administration, de légalité. Alors c'est pour ça qu'il va y avoir toute une série de dispositifs qui vont être pris. Le premier, c'est d'abord emmener Pétain. Alors voilà, ça se passe le 20 août 1944. Un détachement de la SS va arriver à Vichy, va arrêter Pétain après une sorte de tragicomédie. Pétain refusant à tout prix de partir. Ils ont donc enfoncé la porte avec la pince, Monseigneur, et des marteaux et tout ça. Et alors là, ils sont allés à la chambre du maréchal, et celui-ci n'a pas voulu sortir, répondait même pas. Alors le capitaine Dettring, qui était avec ces hommes-là, a été chercher le général von Obrun pour voir ce qu'il fallait faire. Von Obrun a répondu, mais il n'y a qu'à enfoncer la porte. Alors ils ont enfoncé la porte et le maréchal a dû... Il ne s'est pas habillé. Il a encore pris son temps pour s'habiller, mais il ne voulait pas sortir, il ne voulait pas partir avec eux. Alors ils l'ont emmené d'office. Bon, on est allé chercher ma voiture au thermal. Alors en même temps, je lui dis, mais j'ai pas de linge de rechange, j'ai rien du tout sur moi, j'ai tout pour laisser ça dans la toilette. Il me répond, dans 8 jours, vous serez revenu. J'ai dit, laissez-moi au moins dire au revoir à mes gosses et à ma femme. On dit, c'est pas la peine, dans 8 jours, vous serez revenu. Les 8 jours ont duré 8 mois de sixième marine, et 3 mois de fin, ça m'a fait presque un an, quoi. Le départ de Pétain et celui de Laval accélèrent la débandade de Vichy. Ministres et personnalités diverses prennent à leur tour la fuite vers l'Est, à bord de leurs voitures officielles, entraînant dans leur sillage les fantassins de la collaboration ou ses têtes d'affiche. Après Céline, déjà réfugiée à Baden-Baden, Lucien Rebattet, Jean-Hérold de Pakis, Corinne Luchère, l'actrice, fille de Jean Luchère, Robert Le Vigan, rejoignent l'Allemagne nazie. Ils seront suivis par des milliers de miliciens qui obéissent à l'exhortation que leur adresse à la radio le 16 août 1944 leur chef Joseph Darnan. J'exige de tous les miliciens et francs-gardes une absolue discipline, la discipline joyeuse du militant devenu soldat. Je suis à votre tête et je serai désormais près de vous, parmi vous pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. Le 9, le convoi dans lequel j'ai été mis, n'est-ce pas, a passé la frontière à notre immense surprise. Une frontière, nous avons été encerclés par les Allemands, mais ça avait été combiné, évidemment, la frontière d'Alsace. Et le 11, je suis arrivé au fameux camp du Struthof, dont on a beaucoup parlé, où il semble qu'il y ait eu une dizaine de milliers de morts. Alors, en face de nous, dans ce camp, se trouvaient des prisonniers.
que nous n'imaginions pas du tout, n'est-ce pas, que c'était des déportés. On nous a dit, ayez quand même le minimum de contact avec eux, parce que, nous avertissons, ce sont des prisonniers de droit commun ou bien des pédérastes. Alors, suivant l'étiquette qu'ils avaient derrière, la marque qu'ils avaient, n'est-ce pas, derrière leur veste, on pouvait les distinguer comme ça. Clin d'œil tragique de l'histoire. Pendant une semaine, miliciens et prisonniers se côtoient dans l'enceinte du camp de concentration du Struthof, où périrent entre 10 et 15 000 déportés. Le 13, le chef de la milice, Joseph Darnand, n'est-ce pas, nous a réunis en dehors du camp. Et il nous a donc, entre autres, annoncé, parce que ça, c'était pour moi quelque chose qui était quand même très important, et il nous a dit, jamais vous ne passerez, n'est-ce pas, le Rhin, et jamais vous ne porterez l'uniforme allemand. Et le 14 au soir, c'est-à-dire le lendemain du discours, n'est-ce pas, de Joseph Darnand, nous allons voir dans des camions, et nous passons le Rhin, et dans la nuit du 14 au 15, nous arrivons au lever du jour à Sigmaringen. La décision de les emmener en Allemagne, c'est si jamais les armées allemandes vont reconquérir une partie du territoire français, on aura un gouvernement à la solde des Allemands. Donc ça, c'est, si vous voulez, la logique rationnelle. Disons, il y a une certaine rationalité dans cette perspective. Alors maintenant, concrètement, le choix de Sigmaringen, d'abord, qui n'est pas un choix banal, hein, faut reconnaître, hein, c'est quand même un lieu assez exceptionnel. Alors il y a des raisons, on peut dire, de commodité. C'est pas très loin de la France, c'est dans la partie sud de l'Allemagne, une partie qui pour l'instant, et d'ailleurs sera relativement préservée, je dis relativement par rapport aux grandes zones industrielles. Et puis il y a le côté opérette, hein, il y a le côté décor qui fait sourire. Cette mise en scène, cette esthétique qui fait entièrement partie de l'histoire du nazisme. Ils ont mis en scène eux-mêmes à la fois leur propre ascension, leur propre conquête, et leur propre chute, hein, leur propre crépuscule, il y a un peu de ça. Alors le château, il se trouve qu'il a été libéré peu de temps avant, parce que la famille Hohenzollern Sigmaringen a été emmenée prisonnière à la suite d'une mesure de rétorsion, à la suite du retournement du roi Michel de Roumanie en faveur des Alliés. Vous savez, à la fin du août 1944, mon père a reçu un télégramme par le ministère des étrangers, M. von Ribbentrop, que le château pour le gouvernement de Vichy est réquisitionné. Ma famille, mes parents et 13 membres de la famille, nous étions arrêtés par la Gestapo le même jour que le maréchal Pétain était arrivé ici à Sigmaringen. Nous étions 3 mois en prison à Wilfligen. Va se constituer à Sigmaringen une micro-société avec ses règles, ses frontières, ses divisions sociales, ses divisions politiques. Les gens arrivent, ne savent pas où aller, on ne sait pas comment les loger. Bon, ce sont des vagues de réfugiés qui arrivent, je ne dirais pas de toutes parts, mais enfin qui arrivent par voiture, par le train, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés du nord de l'Allemagne. Et du jour au lendemain, on a envoyé tous ces gens. Et on se demandait pourquoi. Et c'était à cause des gens de Vichy qui arrivaient en ville. Für Sigmaringen, eine ruhige Kleinstadt, war natürlich der Einzug der französischen Exilregierung ein exorbitantes Ereignis, das eigentlich man eigentlich eher in Berlin erwartet hätte, aber nicht hier in diesem ruhigen Winkel. Und so ist es natürlich klar, dass es für junge Menschen
ganz besonders bewegend und aufregend war, hier etwas ganz Neues zu sehen. Wir waren ja im Hitlerstaat irgendwo zu Disziplin und Uniform tragen und was weiß ich was alles motiviert und erzogen worden. Und nun kam auf uns eine völlig neue Bevölkerung zu, deren Lebensart wir in irgendeiner Weise bewunderten. Le château va avoir un statut d'extraterritorialité, ce serait comme une ambassade, puisque maintenant la légitimité française n'est pas à Paris, puisque de Gaulle est un usurpateur, il est à Sigmaringen. Sigmaringen va être la capitale de la France. Bon. Pétain, c'est l'hôte de marque. Hein. C'est toujours le chef de l'État. Il sera accueilli à Sigmaringen dans les plus beaux appartements du château. Il va, avec sa petite suite, constituer un monde à part. Il a un étage à lui. Il n'aura quasiment aucun contact avec le reste des collaborateurs. Il ne veut absolument pas être mêlé à la fiction de gouvernement qui est en train de se constituer. Et il va mener une sorte de vie de retraite. Il va se promener, il sera bien traité, hein, mais c'est la fin. Laval, lui, est à l'étage au-dessous. Lui aussi, il va avoir un étage à lui tout seul. Il est plus isolé, il a autour de lui quelques ministres qu'on appellera les passifs. Il va ruminer, il va préparer sa défense, il va ruminer contre les Allemands, ces imbéciles, comme il disait, qui n'ont rien compris à ma politique. Bon. Et puis alors, il y a l'étage actif. Hein. Ça, on est toujours au château, hein, parce qu'il y a le château et il y a le village. Hein. Alors, dans le château, il y a l'étage actif. Et l'étage actif, c'est le gouvernement. Les chefs de la collaboration, ça va se situer entre le 23 août et le 1er septembre. Donc au moment où ils sont encore en France et avant de passer en Allemagne, vont aller à Steinort, c'est là où est le quartier général de Hitler. Et ils vont rencontrer le Führer, d'abord Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, et Hitler. Alors il y a Joseph Darnan, il y a Marcel Déa, qui est l'intellectuel, le normalien, qui avait son parti, le Rassemblement National Populaire. Il y a Jacques Doriot, qui est l'homme de la situation, qui est le futur Führer français, comme on dit à ce moment-là. N'a plus le droit d'assister en spectateur impassible à ce conflit monstrueux. Et il y a un cinquième larron qui est Paul Marion, qui a été responsable de la propagande sous Vichy, et qui est là, disons, il est supposé représenter Pierre Laval, qui lui a refusé d'y aller. Dans la suite logique des entretiens avec Hitler, on va constituer un gouvernement. Ce gouvernement fantoche n'aurait pu prendre forme sans la présence emblématique de Pétain. Les Allemands l'ont emporté dans leur bagage pour ça, parce qu'il a toujours incarné cette façade de légitimité sur laquelle ils ont basé tout leur système d'occupation. Si, au lieu de prendre en mai 1944 la route vers l'Allemagne, il avait démissionné, la collaboration française aurait probablement vécu son champ du cygne en France et non pas sur la terre même de l'occupant. Pour constituer un gouvernement, il faut une légitimité, on l'a vu, il y a Pétain qui sert de potiche, il y a Hitler qui a donné son imprimatur, bon, parfait de ce point de vue-là, mais il faut quelque chose à gouverner. Hein, ça a l'air de tomber sous le sens, mais ils ne vont pas simplement gouverner Sigmaringen où il y aura environ 20 000 personnes. Ils vont gouverner un État fictif. Dans cet État, il est constitué par les prisonniers de guerre, plus d'un million, qui sont en Allemagne, et par les STO, les travailleurs. On va attribuer à Déa, Marcel Déa, qui est tout sauf un homme de gouvernement, on va lui donner les travailleurs. Joseph Darnan, qui est venu avec une bonne partie de la frangarde de la milice, va avoir le ministère de la police. Quoi. Voilà, bon. Le général Bridoux, qui s'occupait de la défense, on ne peut décemment pas lui donner la défense à Sigmaringen, on va lui donner les prisonniers de guerre.
Jean Luchaire est un homme important de la collaboration. Il a dirigé un journal important de la collaboration qui était un des journaux intellectuels qui s'appelait Les Nouveaux Temps. Et il va avoir en charge, qui sera peut-être le plus important, c'est-à-dire la propagande. On va avoir un journal qui s'appellera La France, qui a sorti, qui est paru de façon continue jusqu'à fin avril 1945. Il va mettre sur pied un poste émetteur, avec l'aide évidemment des autorités allemandes, qui s'appellera ici La France. L'allusion à la BBC et à la radio gaulliste est tout à fait claire. Donc il va reconstituer comme ça tout un système de propagande avec qui va avoir une activité. Il va même employer 200 personnes. Il sera celui qui va fournir le plus de travail à Sigmaringen. Parce que c'est un des problèmes. Il faut trouver du travail. Bon. Brinon, lui, sera le délégué général. Puis alors, à part le château, il y a le reste. Il y a le peuple. Puisque le premier discours, par exemple, de Brinon se fera devant le peuple français réuni, c'est-à-dire ces maigres réfugiés qui sont là. Bon. Nous avons relevé la garde allemande au château des Hohenzollern le 1er octobre 1944. Et nous avons donc monté le drapeau. Le drapeau français a été hissé, n'est-ce pas, au sommet de la plus haute tour, n'est-ce pas, du château des Hohenzollern. Nous avons relevé la garde allemande. Et à l'occasion donc de cette journée-là, grande manifestation, on a défilé dans les rues de Sigmaringen, les membres, n'est-ce pas, de la garde qui allait relever la taupe allemande avaient été en gants blancs, enfin c'était tout tenu absolument impeccable. Et De Brinon, n'est-ce pas, prend la parole. Compatriotes français, mes premières paroles exprimeront notre reconnaissance au Führer, qui a marqué lui-même que sur la terre du Grand Reich allemand, tout entier tendu vers l'effort de guerre, les Français qui travaillent pour leur patrie demeurent en France. C'est avec joie que nous trouvons dans ce geste la justification de nos espérances, la confirmation de notre foi politique et une sereine confiance dans l'avenir. Nous sommes ici à côté du maréchal, seul chef légitime de l'État français. Lorsque les vagues de réfugiés arrivent à Sigmaringen, ils vont être logés souvent chez l'habitant. Et parfois même, ils n'auront pas le choix. Les habitants de Sigmaringen, certains en tous les cas, seront obligés d'accueillir chez eux des miliciens. Ils avaient très peur des miliciens françaises. Ils avaient très peur parce que l'image de marque de la milice, quand bien même elle est une force qui collabore avec l'Allemagne, donc avec eux, entre guillemets, a déjà une réputation sanguinaire qui est quand même en grande partie justifiée. C'est, encore une fois, les massacres commis par la milice dans les dernières semaines de l'occupation sont absolument épouvantables. C'était tout à fait normal qu'on avait peur que les Français qui étaient chez nous nous dénoncent. Comme anti-allemands, anti-nazis, chez nous, il y avait, sur l'étage, il y avait un journaliste. D'ailleurs, ça m'est revenu cette nuit, je crois, il s'appelait Alex, monsieur Alex. Et dans une autre chambre, il y avait la femme d'un milicien, mais qui n'était pas jeune, c'était pas quelqu'un de très jeune, avec leur fille, la fille, elle pouvait avoir 17. Voilà, alors ça, c'était que sur l'étage de mon grand-père. C'était déjà trois personnes. Quand nous sommes arrivés ici, je devais avoir 18 ans et un ou deux mois. Nous avons habité dans les appartements de la princesse de Hohenzollern, mais je ne suis pas resté longtemps car je suis parti à l'avant-garde. Mon père ne pouvait pas quand même supporter que je vis la vie de château quand toute la milice était engagée. Il y avait une guérite là, voyez-vous, juste où les jeunes filles arrivent, il y avait une guérite dans laquelle je m'abritais. Alors je faisais comme tout le monde, les 100 pas, les 100 pas, et on présentait les armes quand il y avait une personnalité qui arrivait. On avait le mousqueton, le casque un casque avec une visière en cuir, c'est-à-dire c'est les tanks en France, oui.
Et voilà, on faisait notre petit service ici. Et c'est là que je saluais. J'ai dû saluer d'ailleurs le maréchal Pétain. J'imagine, il me semble, une fois, Laval certainement, et alors mon père surtout, il était tellement ému. En bas, il y avait Bömmelborg, qui était le chef de la Gestapo à Paris d'ailleurs. Il y avait ce salon, cette pièce-là, et la fameuse chambre octogonale qui était où je venais, quand j'étais en Perme, je venais faire un tour. La neige nous ne faisions pas de calcul. Nous nous rendions compte, évidemment, il n'y avait qu'à regarder la carte et lire les journaux, que le front avançait, se rapprochait, mais nous n'avions pas une dimension temporelle de tous ces événements. Nous vivions un peu cloîtrés dans notre... Ça n'assombrissait pas le quotidien. Après le château, le Reich réquisitionne à tour de bras pour accueillir la France de pacotille qu'il tente de reconstituer en terre allemande. Les ministères s'installent dans un palais seigneurial au numéro 3 de la Karlstrasse, non loin des bâtiments destinés aux ambassadeurs du Japon et de la République de Salo. Les collaborateurs moyens se logent chez l'habitant ou prennent d'assaut écoles et gymnases, pendant que les intellectuels se répartissent dans les hôtels du centre-ville, Louis-Ferdinand Céline au Leuven et Lucien Rebattet au Bären. Quant aux miliciens, cheville ouvrière de la collaboration, ils se trouvent relégués dans des camps à la périphérie de la ville. Nous avons occupé à Sigmaringen un camp que nous laissaient les jeunesses hitlériennes. Camp impeccablement tenu, n'est-ce pas, à 2 kilomètres de la ville sur la route de Stuttgart. Dans un vallon, n'est-ce pas, encaissé entre 2 forêts de pins, enfin, sapins, etc. C'était un endroit idéal pour installer un petit camp avec 300 personnes, c'était à peu près, n'est-ce pas, l'effectif à ce moment-là. Reingekommen. Mein Mann hat sie vorgeladen, ne? Dass sie das Haus beschlagnahmen und das ganze Haus ist belegt worden. Und so von dem Tag an haben wir nur noch Franzosen bewirkt. Ne? Die waren alle in Uniform, nur Herren. Nur uns durfte kein Deutscher mehr rein. Ne? Das war alles. Und dann haben wir jeden Tag bewirtet. Die haben gekocht und wir mussten bedienen. Man hat alle beschlagnahmt, alle Mädchen hierüber, und da haben wir zu 4 und zu 5 bedienen. Ne? Aber das war ja bei der Ding, wo die Vortruppe gekommen ist, die Vichy-Regierung. Ne? Und die sind ja den ganzen Tag mit dem Revolver hinter uns hergelaufen. Ne? Hier ist eine Karte, wo draufsteht, was die Verpflegung und was der Haushalt bedarf. Der war am Anfang unbegrenzt. Aber ich glaube, Ende der letzten 3 Monate, ich habe da noch Original-Speisekarte, ist die Speisekarte auch sehr mager ausgefallen, am Schluss zu. Und die ausländischen Diplomaten haben das 7-fache an Lebensmittelkarten bekommen, was ein Normalverbraucher, ein deutscher Verbraucher gehabt hat. Allgemein ist gekocht worden, wissen Sie, für alle gleich. Es sind 12 Service gemacht worden. Der Marschall Pétain hat extra gegessen, der Laval hat extra gegessen, der deutsche Botschafter hat extra gegessen. Und
die ganze Botschaftsmitglieder, die Deutschen, wo in Paris waren, die haben hier auch gegessen, alles. Und dann in der Lakaienhalle haben Miliz gegessen, ich weiß nicht mehr wie viel. Ungefähr 80 Personen haben wir verpflegt jeden Tag. C'était bien installé. Nous étions au-dessus, dans les combles. Mais c'était des chambres potables, quoi, convenables. Nous étions à deux. Il était tout seul, le maréchal, avec la maréchale. Il disait beaucoup, je vous dis, il avait commencé à apprendre l'anglais. Les après-midi, se passaient souvent, si on ne sentait pas qu'il fasse vilain, par exemple. Eh bien, il faisait les allers-retours dans le couloir qui était très long. Il faisait 12, 15 allers-retours. Alors, la maréchale, en pensant, disait, ah, bah, ça y est, on est au 15e voyage. Alors, il pensait comme ça. Et puis, lui, son petit pas de chasseur, toujours ferme. Il y avait une carte représentant toute l'Europe. Et alors, chaque jour, cette carte était épinglée avec un drapeau de la couleur de l'armée qui avançait. Alors, il y avait le drapeau américain, anglais. Je crois même qu'il y avait un Australien, ou un Canadien, et un Français. Et chaque jour, la carte était pointée, les avances des Alliés. Quand nous sortions l'après-midi, il fallait téléphoner à 2h, 2h30, pour que la Gestapo vienne nous prendre en compte. Alors là, nous allions au parc du château, qui était à quelques kilomètres, et naturellement, on passait une heure et demie, 2h, il marchait, soit avec le général Debney, soit avec l'amiral Bléau, soit avec la maréchale, mais jamais un de la Gestapo. La Gestapo était derrière, ils étaient deux. Il y avait Dietring et le lieutenant Müller. Pétain, c'est quelqu'un qui a disparu du paysage. Il est devenu, il était déjà plus ou moins fantomatique, il a disparu. Alors on l'aperçoit parfois, alors certains... On parle encore aujourd'hui, ils l'ont vu se promener, alors c'est une vision, c'est une apparition, c'est une apparition quasi mystique, bon, mais il a disparu du paysage. Laval va d'abord, on va très peu le voir dans le château, il sera reclus dans ses appartements, et puis à un moment il va, par mesure de rétorsion, va être fait prisonnier, alors il l'est déjà, il va être emmené ailleurs, il va être emmené à Wittflingen, qui est pas loin de Sigmaringen. La commission gouvernementale, ces gens qui fonctionnent ensemble, entre les conseils des ministres de l'après-midi et puis les dîners du soir au château, sans parler de leur activité fébrile dans la journée, la seule chose qui les rapproche, c'est leur sort commun et c'est leur haine réciproque. Si on reprend la construction imaginée avec Ribbentrop et Hitler, Debrinon devait préparer l'avenue au pouvoir de Doriot. Doriot qui n'est pas à Sigmaringen. Doriot est ailleurs, il a toujours fait bande à part, il ne sera pas à Sigmaringen. Bon. Alors, Debrinon ne va jamais préparer l'avenue au pouvoir de Doriot. De même, Luchaire et Debrinon, alors qu'ils étaient plutôt proches avant la guerre et même pendant la guerre, se détestent cordialement. Enfin, il y a toutes les haines, les rivalités, tout ce qui a pu se passer durant l'occupation qui va se cristalliser à Sigmaringen, qui est un aquarium. C'est un monde clos. Ils vivent comme des poissons dans un aquarium. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à gérer. Et tout éclate. Mon père n'était pas d'accord avec D.A. C'est un tempérament très différent. D.A., je crois, était beaucoup plus intellectuel que mon père, c'est certain. Je crois que c'est un normalien. Enfin, c'est un qui avait des études universitaires à pousser. Et il avait un autre style, D.A., et en plus, c'était matou, rusé. Mon père,
je ne veux pas dire le détester, car mon père n'avait pas ce genre de réaction, mais il n'aimait pas, il n'avait pas de sympathie pour D.A. Et Luchet, c'est un homme qui n'était pas du tout de son style. C'est un Parisien qui avait eu avec Luchet et Madame, bon, nous les voyons. Mais enfin, je n'ai pas l'impression que c'était le, disons, le grand amour. De quoi discutaient le Conseil des ministres de Sigmaringen? Alors, ils ont discuté d'arrache-pied sur la dotation que leur donnait le Reich, parce qu'ils étaient partis avec peu d'argent. Alors, les miliciens avaient pillé la Banque de France à Belfort. Hein, ils étaient les fonctionnaires français, donc c'est normal, ils vont servir dans la caisse de l'État français. Enfin, ça, c'était les miliciens. Le gouvernement, en tant que tel, n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, le Reich leur donnait de l'argent. Mais, comme c'est un gouvernement, il fallait que ce soit fait dans les règles. Donc, ils ont discuté pendant des semaines des taux d'intérêt qui devaient être ceux par lesquels la France rembourserait le Reich. Ils vivent comme ça dans un monde imaginaire. Monde imaginaire, fantasmagorie, illusion. Les expressions manquent pour qualifier la fuite en avant dans laquelle se sont engagés les réfugiés de Sigmaringen et surtout leur gouvernement. Alors qu'autour d'eux, l'Allemagne est réduite en cendres, que le chaos les encercle, imperturbable, celui-ci gère, décrète, décide, arbitre, et organise même pour le petit peuple oisif, jeux et divertissements. C'est un panier de crabes, hein. C'est vraiment le panier de crabes qui a été décrit par Céline. C'est un observateur aigu de ce qui se passe. Bon, le récit qu'il fait domine l'épisode de Sigmaringen. J'ai même envie de dire que s'il n'y avait pas eu l'œuvre de Céline, bon, d'un château l'autre et Nord, il n'y aurait pas eu de Sigmaringen dans la conscience collective. Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Sigmaringen? Ah, oh, pour la question très simple. Qu'à Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier. Je suis femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Nous, on a l'image de l'écrivain, de cet écrivain halluciné d'écrivain Sigmaringen, bon, du collabo, hein, disons les choses comme elles sont. C'était aussi un médecin qui a laissé une image extrêmement positive à l'époque. Et d'ailleurs, en lisant le livre, on se rend compte que c'est peut-être la seule chose qui est totalement crédible dans son récit, c'est qu'il va s'occuper des fils de miliciens ou des Allemands, enfin peu importe. Et il va jouer son rôle de médecin, il va même soigner des gens du château. Je me souviens évidemment de Céline, c'est évident, c'était le personnage pour moi principal. Je vous ai dit d'ailleurs, je me souviens de ses yeux, il y a des ouvriers dont les yeux sont attaqués par l'acide, je ne sais plus, les typographes. Il avait ses yeux brûlés par l'acide, mais en même temps, je vous l'ai dit également, très, très doux, presque tendre. C'est étonnant d'ailleurs. Ça veut dire par là que, je vous ai exprimé, il avait un côté, une humanité en lui qui était extraordinaire. Et quand on était son malade, son patient, on se sentait très à l'aise avec lui. Ich war damals 13 Jahre alt und ich muss sagen, wir haben damals keine Schule mehr gehabt, wo die Vichy-Regierung nach Sigmaringen kam und habe hinter dem Rathaus gewohnt. Und da bin ich ganz in der Nähe im Hotel Leven zusammen aufgewachsen mit einem Freund, dem seine Mutter war, die Schwester von der Wirtin von Hotel Leven. Und durch das kamen wir sehr viel in das Hotel rein und da kamen wir oft mit Céline zusammen. Und wir haben noch ein Erlebnis gehabt, da haben wir eine kleine Pistole gehabt und da haben wir 9mm Munition gehabt und kein 6mm. Da haben wir die mit Gewalt mit 9mm reingedrückt und dann ging die Pistole los und ein Durchschuss von meinem Freund Gerhard in der Hand. Und da haben wir das mit Taschentücher verbunden und sind dann zurück ins Hotel Leven und da kam schon Céline. Céline hat ihm sofort die Hand verbunden, hat ihn ins Krankenhaus gefahren. Es war ein glatter Durchschuss. Es war also damals eine ganz aufregende Geschichte, wo ich nie vergessen habe. Céline, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage
d'un château à l'autre. En faisant paraître un ouvrage qui est malgré tout assez public, puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les Français, puisque c'est une petite partie, toute petite, mais enfin quand même, une petite partie de l'histoire de France. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France, qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça existait, et un jour on en parlera dans les écoles. Parmi tout ce petit monde d'émigrés, il y a beaucoup d'inactifs, il y a beaucoup de gens qui cherchent désespérément un emploi. Luchère, par exemple, à la propagande, va fournir des dizaines de certificats d'emploi. Bon. Et puis il y a des intellos, hein, enfin excusez-moi, des intellectuels, bon, qui ont de vrais intellectuels après tout, qui ont animé des revues qui avaient pignon sur rue sous l'occupation, Les Nouveaux Temps, Je suis partout, etc. Et ben, ils continuent à écrire, ils écrivent notamment dans le journal La France. Ils vont même publier un manifeste des intellectuels français en Allemagne. Ils font des pétitions pour défendre, évidemment, le principe de la collaboration, pour se justifier, pour dire que les intellectuels aussi, s'ils ne prennent pas les armes, conservent la plume pour lutter contre le bolchevisme. C'est pour ça que, par exemple, ce qui alimente le plus les discussions, c'est les rumeurs. À Sigmaringen, le sort commun abolit les clivages sociaux. Intellectuels et collaborateurs moyens y vivent d'espoir et de rumeurs. Les rumeurs nourrissent l'espoir et vice-versa. Reprises et amplifiées jour après jour par le journal La France, les rumeurs concernant les fameuses armes secrètes allemandes destinées à leur ouvrir une voie royale vers Paris entretiennent pour un temps leurs illusions communes. À la suite du V1 survient le V2. Durant 3 ans, les essais se poursuivent fiévreusement dans les régions interdites de l'Allemagne du Nord. Le V2 est chargé d'une tonne d'explosifs. Il s'élève à plus de 60 km de hauteur. Sa vitesse est considérablement supérieure à celle du son. Vous allez assister à un départ de V2 filmé à l'extrême ralenti. À la condensation des gaz qui s'échappent des tuyères, on peut suivre la marche du V2 vers l'objectif. Et tout d'un coup, toutes les rumeurs les plus folles vont trouver un début de réalisation lorsque, c'est le 16 décembre 1944, on apprend par la radio que le maréchal von Rundstedt a entamé une contre-offensive sur le front des Ardennes, stoppant l'avance des armées américaines. Pas oublier que toutes les populations durant la guerre vivent au rythme de la guerre. Ça, on l'oublie trop souvent parce que la guerre a duré. Donc, mais enfin, les gens sont, quel que soit leur bord, j'entends, c'est pas une question politique. Tout dépend de la situation militaire. Les gens de Sigmaringen, comme les Français, par exemple, vont être suspendus à leur poste de radio et aux maigres informations dont ils disposent. À la fin 44, bah, tout d'un coup, l'espoir renaît. Et cet espoir est partagé par les gens de Sigmaringen qui sont des Allemands, je dirais pas que je les comprends, mais enfin c'est naturel, et par les Français qui se disent « ça y est, notre heure est arrivée ». Mais pour les maîtres du Troisième Reich, la bataille d'Alsace est une bataille politique qui doit être gagnée à tout prix. C'est Himmler en personne qui vient organiser la défense de Colmar et préparer les contre-attaques qui doivent livrer une nouvelle fois la terre d'Alsace à l'armée allemande. Il est certain que l'offensive des Ardennes, c'est impressionnant, les qui avançaient, on regardait les cartes, que font les réfugiés, ou les exilés ou les réfugiés. La première chose qu'ils font de matin, ils regardent la carte pour voir où sont, ou ceux qui vont les sauver, ou ceux qui vont les tuer, ça dépend de quel côté on se trouve, de la barricade. Alors, on regardait la carte tous les matins, effectivement, c'est impressionnant de voir cette armée allemande qui rentrait dans les Ardennes, Guderian avec ses chars, c'était, ça,
Je ne me souviens pas de commentaires spéciaux de mon père sur le sujet, mais il est certain que ça avait un impact. On a pu croire à un moment que, effectivement, le destin, disons, des armes se renversait. En ce Noël 44, la contre-offensive des Ardennes est le plus beau cadeau dont puissent rêver les collaborateurs. Dans la somptueuse galerie portugaise, dignitaires allemands et français en habits de fête reprennent en chœur les chants de Noël, interprétés au piano par la concertiste Lucienne Delforge, et trinquent à la future victoire allemande. L'espoir triomphe de nouveau. D'autant que, prenant la relève de la commission gouvernementale totalement déconsidérée, un homme se propose de prendre leur destin en main. Un homme soutenu par Hitler et Ribbentrop, un homme fort, un homme providentiel, Jacques Doriot. Doriot, en Allemagne, va mener un jeu personnel, d'abord parce qu'il a ses propres réseaux. Il va aller d'abord en Rhénanie, voir le Gauleiter de Rhénanie qu'il connaît personnellement. Ensuite, il va installer son propre émetteur de radio à Bad Mergentheim, qui n'est pas très loin de Sigmaringen, mais enfin qui est distinct, qui s'appellera Radio Patrie. Et enfin, il va installer son journal, qui est Le Petit Parisien. Le Petit Parisien de l'avant-guerre, un des plus grands journaux, un des plus grands quotidiens de l'avant-guerre, qui était le journal du parti, un des journaux du Parti populaire français, va avoir son édition allemande. Il sera à Constance. Doriot menant son jeu à part. La commission gouvernementale dirigée par Debrinon et les autres collaborateurs menant son jeu de l'autre côté, on finit par faire une sorte de modus vivendi, acceptant la mainmise de Doriot, qui est encore une fois le seul qui a une certaine carrure politique susceptible de fédérer tous les collaborateurs en Allemagne. Et donc on va sceller la création de ce comité français de libération par une rencontre physique, puisque Doriot n'a jamais mis les pieds à Sigmaringen, entre Doriot et puis les gens de la commission gouvernementale. Et Doriot va prendre la voiture pour rejoindre Sigmaringen. Il doit les rencontrer en principe à Mengen. Et il va être mitraillé sur la route qui le mène à Mengen. Doriot mort, c'est terminé. C'est terminé parce que Debrinon, qui est tout sauf un personnage charismatique, n'a pas les moyens de fédérer lui tout seul ses énergies. Nous sommes le 22 février 45. Quelques semaines après, les Alliés vont franchir le Rhin et c'est terminé. Après avoir achevé le nettoyage de la rive gauche du Rhin, l'armée française, emmenée par le général Delavre de Tassigny, a franchi le fleuve en force pour la première fois depuis 150 ans. C'est le 31 mars à l'aube que s'effectue le premier passage. D'autres suivent aussitôt. Opération audacieuse, exécutée avec des moyens de fortune, dans de petits canots à moteur, sans blindage, presque des barques de promenade. Quand nous avons traversé le Rhin, nous avons passé la forêt noire sans aucune opération, pratiquement, hein, jusqu'à Freudenstadt, où notre division a eu ses premiers contacts avec l'armée allemande. L'objectif, c'était d'occuper Sigmaringen avec les gens qu'on y trouverait. Hein. On savait que Pétain y était avec le gouvernement ou des éléments du gouvernement de Vichy, mais on n'y allait pas pour ça. Hein. C'était un objectif territorial, je dirais. Il s'agissait de détruire l'armée allemande. La fin de Sigmaringen, c'est aussi un moment important. Tout ça se déroule sur fond d'écroulement final du Reich. Hein. Ils ont par exemple à Sigmaringen, si Sigmaringen n'est pas bombardé, ils entendent les bombardements qui vont toucher par exemple une ville comme Ulm, qui est pas très loin, enfin qui a une centaine ou plus de 200 kilomètres. Bon. Donc la fin arrive et c'est... Alors là, le problème, c'est fuir. Pour les collaborateurs,
L'exécution quelques semaines plus tôt de Robert Brasillach leur donne un avant-goût du sort qui les attend. Leur salut est alors dans le sauve-qui-peut individuel, dans la fuite éperdue vers ces pays hier amis, l'Espagne ou l'Italie, qui leur claquent pourtant leurs frontières au nez ou les remettent menottes au poignet aux représentants de la France libre. Plusieurs Français collaborateurs de plume ont été arrêtés dans le secteur de la première armée. Ces élateurs du Führer pourront méditer en commun derrière des barreaux sur les conséquences du national-socialisme. Quelques miliciens vont reprendre eux aussi le chemin du pays auquel ils ont tourné deux fois le dos. Ils espéraient sans doute revenir dans les fourgons de l'ennemi. Ils auront tout juste droit aux fourgons cellulaires. Pétain, qui est toujours prisonnier, qui réclame, qui n'a cessé de réclamer auprès de Hitler en lui envoyant des missives, son retour en France, il va dire à ses gardiens, je veux rentrer en France, je veux être jugé. Les Allemands ne veulent pas. Et on voulait l'emmener, enfin d'après ce qu'on sait, dans le réduit bavarois, qui était la dernière forteresse qu'Hitler était supposé défendre, le dernier Carteron, enfin qui mourrait avec leur hache. Nous sommes partis de Sigmaringen le 21 avril 1945. On devait partir à 6 heures, mais nous ne sommes partis qu'à 8 heures. La Gestapo était en retard, pour une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et nous sommes partis direction Bregenz. Et quand on est rentré à Sigmaringen, on a vu quelques Allemands qui couraient de droite et de gauche, mais il n'y avait pas de résistance organisée. Et moi, je suis parti droit sur le château, avec mon peloton, et je suis arrivé devant le château, sur le perron. J'ai fait monter une automitrailleuse juste en face de la porte du château, en bas de l'escalier de l'époque, pour regarder ce qui allait se passer. Moi, j'étais prêt à tirer un coup de canon dans la porte si elle ne s'ouvrait pas assez vite. La porte s'est ouverte, et j'ai vu une espèce de grand monsieur habillé tout en noir, avec un chapeau noir, qui était un espèce de concierge, majordome et tout ce que vous voulez, et qui avait pris un air très étonné, en disant « qu'est-ce que vous désirez ?» Alors moi, je l'ai poussé, écarté de la main, je suis rentré, et je lui ai dit ben, « je vais voir ce qu'il y a ici, où est Pétain ?» Et il m'a répondu en français « Le maréchal Pétain est parti cette nuit. » À midi, on se retrouvait le dos, la frontière suisse, et direction Berchtesgaden. On était en Autriche à ce moment-là. Et là, le maréchal n'a plus voulu bouger de l'après-midi. Ils l'ont pourtant bousculé. La Gestapo était là. Monsieur le maréchal, bon, pour ne pas rester ici, les troupes alliées avancent. Et je me dis, je ne bougerai pas, il a dit. Et ça fait plusieurs fois que vous me trompez, et c'est trop. Je ne vous suivrai plus. Mais monsieur le maréchal, mais enfin, on vous emmène en Suisse. Allez me chercher un diplomate suisse ou un ambassadeur qui me prendront en compte. Et là, je vous suivrai, je partirai avec. Alors, il va arriver une chose tout à fait exceptionnelle. C'est que la Suisse, qui en principe, et d'ailleurs sous la double menace des Allemands et des Alliés, va refuser en principe d'accueillir sur son sol des réfugiés collaborateurs, SS, Allemands, etc., qui viendraient du territoire du Reich, va accepter pour Pétain. Pétain, c'est quand même une figure prestigieuse, et il est toujours en titre, même si c'est absurde, le chef de l'État français. On est parti à 22h30, dans la nuit, sans lumière, sans rien, et juste, vous savez, les veilleuses qu'il y avait au phare, à ce moment-là, il y avait un trait de lumière. À Bregenz, la garde venait d'être bombardée. C'est arrivé juste après. Et le lendemain matin à 9h, on partait. Encore un bombardement. Ça nous a retardé par les arrivées en Suisse. À Sainte-Marguerite, nous avons franchi la frontière. Il devait être 9h30, 10h. Alors c'était justement l'anniversaire du maréchal. Alors là, les Suisses ont apporté des fleurs, du chocolat.
Et il sera accueilli, il n'y a pas d'autre terme, par le général Koenig. C'est le 28 avril, si je ne dis pas de bêtises, 1945. Là, il y a juste une scène qui est tout à fait symbolique. Général Koenig, le héros de Bir Hakeim. Pétain, c'est une grande gloire militaire. Hein. C'est devenu le chef de l'État collaborateur pour ces gens-là, pour les gens de la France libre. Il refusera de lui serrer la main. Et il va le mettre dans un fourgon. Il était normal qu'ils aboutissent là, dans cette bourgade de Wurtemberg, bruyante aujourd'hui du bruit des chars français. Qu'ils se réfugient ici, dans ce château des Hohenzollern, les hommes qui, par peur, par ambition ou par bassesse, ont trahi la France et les Français. Pétain, Debrinon, Laval, Déa ont vécu dans ces salons naguère fréquentés par Bismarck, où nos soldats ont encore trouvé des journaux imprimés en français, mais écrits en allemand. Le château de la trahison. En marquant ainsi du sceau de l'infamie la dernière demeure des chefs de la collaboration, les premiers reporters de la presse de la résistance donnent la mesure du mépris que la France libérée nourrit à leur égard. L'escale à Sigmaringen, considérée comme la trahison ultime, et probablement aussi la révélation au grand jour de l'horreur concentrationnaire, pèseront lourd dans les verdicts de la haute cour. Philippe Pétain est condamné à mort le 15 août 1945, puis gracié. Il finit ses jours en résidence surveillée à l'Île-Dieu et y meurt le 29 juin 1951. Pierre Laval est fusillé le 15 octobre 1945. Joseph Darnand est fusillé le 10 octobre 1945. Jean Luchaire est fusillé le 22 février 1946. Sa fille Corinne est emprisonnée, puis relâchée. Fernand Debrinon est fusillé le 15 avril 1947. Marcel Déa trouve refuge dans un couvent italien. Il y meurt de vieillesse en 1955. Or, ce qui est emblématique dans la fin à Sigmaringen, c'est qu'on voit quel était le prix que ces chefs fascistes-là étaient prêts à payer pour instaurer un fascisme français en France. Ils étaient prêts à payer le prix du sang, et du sang français, le sang des autres. Alors ils vous disent, oui, mais il y avait les maquisards, oui, mais on a envie de dire, c'est même pas un argument d'historien que j'avance là, c'est un argument de citoyen. Ben oui, mais il y avait les Allemands, hein, qu'on oublie un peu dans l'affaire. Donc à partir de là, l'idée fasciste l'idée d'un fascisme à la française s'est écroulée. Le fait qu'elle se soit écroulée en terre allemande, à mon avis, est totalement emblématique de la prison dans laquelle s'est enfermé, dès les débuts de l'occupation, ceux qui ont voulu recomposer un fascisme français sous couvert d'une occupation nazie.